Salut à tous la team, well, tout même chopant, Lyon Fan TV, très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo début de semaine et grand chambardement, chamboulement, bombe, c'est comme ça qu'on peut le dire. Hier a été officialisé un dimanche soir la fameuse Super League européenne. C'était les rumeurs, beaucoup de rumeurs ces derniers temps. Faisait état de la création d'une Super League européenne. Eh bien, c'est le cas. 12 clubs, dont 6 clubs anglais et des plus prestigieux. Hein, on ne va pas se mentir, du Manchester United, du City, du Tottenham, du Arsenal, du Real Madrid, du FC Barcelone, etc. etc. Aucun club français pour l'instant. Le président se nomme Florentino Pérez. Et oui, c'est une Super League européenne dissidente à la Ligue des Champions. Évidemment, l'UEFA a réagi. Et ce qu'on peut dire, c'est que elle met la pression à tous ces clubs dissidents, à tous ceux qui ont voulu se faire la malle. On en parlera, les gones, ce soir, de cette Super League live à 21h, ou alors en rediffusion bien après, si vous regardez cette vidéo après. Vous pouvez revoir ce live en rediffusion. On va en parler de cette Super League européenne. Voir si ça va nous impacter. Est-ce que vous aimeriez peut-être voir l'Olympique Lyonnais dans cette Super League? On en parlera évidemment. Là, c'est une vidéo débrief à froid de ce match d'hier entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais. C'était un must-win game, comme le disent les Anglais. Un match absolument à gagner dans la course au titre, dans la course à la Ligue des Champions, puisque nous permettait de revenir à 3 points de Lille que nous affrontons ce dimanche. Donc c'était un match importantissime et c'est un match qui a été remporté par l'Olympique Lyonnais de 2-1. Un match loin d'être abouti par l'OL. On en a discuté hier sur Lyon Live TV. D'ailleurs, merci d'avoir été si nombreux, les gones. Vraiment, c'est top de vous voir aussi nombreux sur les lives. Continuez à nous suivre, à nous soutenir. C'est important, abonnez-vous à cette chaîne aussi, c'est important. Oui, donc on disait un match de l'Olympique Lyonnais, loin d'être abouti. On a vu une équipe jouer 20 minutes sur 90, mais être plutôt réaliste offensivement, puisqu'on a, marqué ces deux buts. On en a encaissé un, on aurait pu en encaisser d'autres, puisque Nantes a fait vraiment jeu égal avec nous, voire par moment a été beaucoup plus intéressant que nous dans le jeu. Mais on a eu au moins cette volonté de gagner quand même. On a tenu face au 19e de Ligue 1, vous vous rendez compte, nous avons tenu face au 19e de Ligue 1, mais nous avons gagné. On a pris 3 points contre Angers, 3 points contre Nantes. On va pas dire que c'est une mission accomplie, mais en tout cas ce sont des bonnes bases. Si seulement les 3 points sont importants, alors oui, nous avons pour l'instant rempli la mission qui nous permet de rester aujourd'hui dans cette course au titre, de continuer à croire à cette course aussi à la Ligue des Champions. Ligue des Champions qui sera bouleversée probablement, donc on verra quels seront les impacts. En tout cas, cette OL ne nous ravit pas. C'est moins qu'on puisse dire dans le jeu. On est toujours en train de se stresser, on est toujours en train de ne pas maîtriser complètement les choses, et ça commence à souder. Mais bon, pour Rudy Garcia, apparemment, bah, c'était le plan. On a pris 6 points contre Angers et Nantes. Il a vu des joueurs solidaires, on aurait peut-être pu se mettre à l'abri, évidemment. Voilà, on est satisfait pour Rudy Garcia, qui avait décidé de remettre son 4-2-3-1, exactement la même équipe que contre Angers. Alors, pour les statistiques générales de ce match, 12 tirs côté lyonnais, 11 tirs côté, 12 tirs côté nantais, 11 tirs côté lyonnais. On a quand même concédé 12 tirs, les amis, c'est beaucoup. 3 cadrés seulement pour les nantais, nous avons cadré 4 fois, c'est peu aussi. C'est peu, preuve que nous avons été quand même plutôt réalistes. 2 big chances, 2 grosses occasions pour l'OL à 1 pour Nantes, qui a marqué d'ailleurs. Finalement, ça fait le score de 1. 2 centres réussis sur 21 tentés pour les Nantais. 3 centres réussis sur 12 pour les Lyonnais. C'est pas bon du tout. 167 pertes de balles pour Nantes. 166 pour Lyon. Vous vous rendez compte, nous étions vraiment à jeu égal avec Nantes, 19e de Ligue 1, je le répète. 58 duels gagnés pour l'OL. 68 pour les Nantais. 68 pour les Lyonnais. Kif Kif Bourrico. 15 duels aériens gagnés pour les Nantais. 21
côté lyonnais. 12 dégagements pour les Nantais, 22 pour les Lyonnais, dû notamment à une seconde période quasiment catastrophique. En termes de expected goals, 1,22 pour les Nantais, 1,81 pour les Lyonnais, c'est le score d'hier. Donc, les deux équipes ont été réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Statistiques et notations individuelles. Je commence avec Anto Lopez. Anto Lopez, puis une rencontre plutôt tranquille au final, même s'il y a eu beaucoup d'incursions nantaises dans la surface de réparation. Il a eu une soirée plutôt tranquille. Il a pris un but, malheureusement pas de clean sheet, mais ce n'est pas de sa faute puisque sur la tête de Colomboigny, il se détend bien. Et puis ben, Palois à son pied qui traîne, le Sergio Ramos nantais hier, c'est vrai, il a fait une prestation énorme. Mon père me disait franchement, quelle élégance, balle au pied, Nicolas Palois, franchement très serein dans ce qu'il a fait. Oui, effectivement, il est très serein. Très serein, il a fait un bon match hier, Nicolas Palois. Donc bon. Écoutez, voilà, donc Anto Lopez, bon, c'est une note moyenne, il n'a pas eu grand chose à faire, je lui mettrai 6 sur 10. Marcelo, qui est nettement moins en vue depuis qu'il a prolongé à l'OL. Alors je ne sais pas si c'est une cause à effet, c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas il est nettement moins en vue. Hier, très souvent pris de vitesse dans son dos par Colomboigny notamment. J'ai l'impression que c'est qualité qui était normalement l'anticipation, qui compense ce manque de vitesse par l'anticipation, était plutôt revenu au centre du jeu chez lui, mais non, depuis qu'il a été prolongé, je le trouve nettement moins serein. Marcelo, 4 dégagements pour lui, 4 tacles aussi réussis. C'est un match moyen quand même de la part de Marcelo, c'est un 5 tout mouillé de chaud. Denayer, lui aussi, fait un match moyen, un peu meilleur que Marcelo. 4 dégagements pour lui, 2 tags réussis, 4 duels aériens réussis sur 5 tout de même. Il a pris un carton jaune qui aurait pu être évitable. C'est pour moi un 6 sur 10 aussi pour Denayer, même note qu'Anthony Lopez. Léo Dubois, alors là là on tombe un petit peu dans les travers de notre défense. Léo Dubois qui fait une année 2021, début d'année 2021 extrêmement difficile, il revient de blessure, on le sait. La trêve internationale lui a vraiment cassé les pattes. Et il tient 70 minutes à peu près dans un match, mais hier ça n'a pas été bon. Bon, à son crédit quand même, le fait qu'il écarte une occasion de but de Moses Simon, où il met vraiment le pied là où il faut, parce que c'est vraiment, sincèrement, il nous empêche d'encaisser ce but. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais sinon, 5 dégagements pour lui, record côté lyonnais dans ce match quand même. Une interception, 3 tacles. Par contre, sur les ballons longs, c'est pas ça. Sur les passes, c'est pas ça. C'est 3 ballons longs réussis sur 7. Je suis très déçu par le niveau de jeu de Léo Dubois, mais parce que il nous a évité vraiment de prendre un but, parce que le but était là, hein, pour Moses Simon. Eh bien, je lui mets quand même 6 sur 10. Alors, vous allez pouvoir me tailler, mais voilà, faut le dire. Alors, par contre, là, peut-être celui qui a été le plus mauvais dans ce match, en tout cas le moins bien noté par SofaScore, c'est Maxwell Cornet. 2 dégagements pour lui, 2 interceptions, 2 tacles réussis pour lui, et surtout 20 ballons perdus. Tout à fait, messieurs, dames. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Maxwell Cornet, trop haut sur le terrain, souvent pris dans son dos, ça devient un classique. Il défend mal, mais vous me direz, c'est pas son poste. Mais bon, écoutez, maintenant il a commencé à s'y faire. Mais je crois que lui, c'est pareil. Depuis qu'il a été blessé ou plus ou moins, c'est encore pire que d'habitude. Et il va falloir vraiment faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas continuer ad vitam aeternam avec un joueur comme Maxwell Cornet. Ça commence à avoir ses limites, et plus que ça. Même, je crois que Rudy Garcia a changé ses deux latéraux. Voilà, il a mis Diomandé à droite et il a mis Desfiglio à gauche. C'est évidemment pas un bon match, c'est un 3 sur 10 pour Maxwell Cornet. Bruno Guimaraes, lui aussi, c'est dommage. Je pense que depuis ses pépins physiques, il a eu des problèmes, je pense, pour revenir à un niveau acceptable physique. Et ça s'est vu hier, malheureusement, sorti assez vite aussi. Bruno Guimaraes, mais pourtant voilà, une interception, 3 tacles réussis, 4 duels réussis sur 5 pour lui, ce qui est plutôt honorable. Une avant-dernière passe aussi sur le premier but de l'Olympique Lyonnais. Mais globalement, on sent que l'essence dans le moteur manque évidemment.
On sent qu'il peut faire mieux encore, Bruno Guimarães. C'est un petit peu dommage. Il était remplacé par le fantôme de Thiago Mendes. C'est un match pour moi moyen. C'est un 5 sur 10. Maxence Cacré, qui avait été étincelant contre Angers, bien nettement moins hier soir. Travail de l'ombre, c'est vrai. 4 tacs réussis pour lui. Il a été passé 6 fois en dribble par un Nantais. C'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est même le record du match. Preuve que c'est un petit peu son défaut à Maxence Cacré, c'est que souvent, il se jette. Et donc, il est pris souvent sur un dribble court. Bien sûr, il a des capacités de harceleur. Il a beaucoup plus de coffre que Guimarães. Mais en difficulté aussi dans ses transmissions de balles, Maxence Cacré, il ne confirme pas sur ce match-là. Il perd 16 ballons quand même. Par contre, c'est celui qui fait le plus de passes. Donc, il est recherché par ses partenaires. Il reste une plaque tournante. Il faut quand même qu'il enchaîne les matchs. C'est indispensable. C'est un 6 sur 10 pour Maxence Cacré. Paqueta, le tube de cette année 2021. La meilleure pioche de l'Olympique Lyonnais cette saison. Peut-être le meilleur joueur aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais avec Memphis Depay. Il rayonne, il est au-dessus de tout le monde. Il est 4 niveaux au-dessus de tout le monde. Il est calme, il est bon sous pression. Il est bon dans l'orientation du jeu, il est bon dans la création d'occasion. Paqueta, il est énorme. Un dégagement pour lui, 5 duels réussis sur 11 tentés, 4 fautes subies. C'est le record aussi côté lyonnais dans ce match. 4 passes clés, record côté lyonnais dans ce match. 3 ballons longs réussis sur 3. C'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. C'est celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses du terrain, rayonnant. La passe qu'il fait à Memphis Depay sur le premier but est absolument délicieuse. Cette passe aussi qui va pour Toko Ekambi, elle est délicieuse aussi. Qui mène sur le pénalty de Toko, elle est délicieuse. Il faut le dire. C'est un joueur qui aujourd'hui est incroyable. Même je crois qu'on est à la 80e minute, 85e. Il a un duel face à un adversaire nantais, il lui fait un petit pont. Et il voit de l'extérieur du pied Karl Toko Ekambi qui rate minablement cette reprise. Mais voilà, c'est en tout cas le niveau de Paqueta aujourd'hui. On dit que c'est peut-être le meilleur joueur d'Europe. N'abusons pas quand même. Mais en tout cas, il faudra une saison de confirmation pour lui. Mais aujourd'hui, ce serait dommage de le perdre pour Covid ou pour autre chose. Tant il est indispensable aujourd'hui à cet Olympique lyonnais. C'est un 8 sur 10. Karl Toko Ekambi. Une interception, 6 duels réussis sur 14 tentés. 16 ballons perdus pour lui, c'est beaucoup. C'est autant que Maxence Cacré. 4 fautes subies, quand même, sur lui. C'est le record côté lyonnais sur match. 2 passes clés, c'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Pareil, c'est un personnage clivant et assez paradoxal, puisqu'il est capable de rater beaucoup d'occasions. Je vous rappelle que c'est celui en Ligue 1 qui rate le plus d'occasions. Plus de grosses occasions. Ça, c'est à dire aussi. C'est un garçon qui est agaçant, mais c'est un garçon qui a beaucoup de coffre, qui prend beaucoup la profondeur. Et mine de rien, qui provoque le pénalty hier face à Alban Lafont. Il pousse le ballon comme il faut. Il a subi 4 fautes, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Donc il crée quelque chose, il crée du contenu, mais qu'est-ce qu'il est maladroit, qu'est-ce qu'il manque de lucidité aussi. Donc il est à la fois intéressant dans ce qu'il propose, mais à la fois très très énervant. J'ai du mal à me placer pour Karl Toko Ekambi. Moi, j'ai en tête, je me dis que, imaginons encore une fois, on part en Ligue des Champions, ou en Coupe d'Europe, ou en Super Ligue Européenne, j'en sais rien, et que vous avez dans un grand match un Karl Toko Ekambi, pareil, qui a une énorme occasion, comme celle face au Bayern Munich, et qui ne la met pas, ben, c'est préjudiciable. C'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas létal. Il provoque des occasions, mais il n'est pas létal. C'est un petit peu dommage, donc. Pour moi, rien que le fait qu'il ait provoqué le pénalty, pour moi, ça vaut quand même un 6 sur 10. Ça va, c'est sûr. Memphis Depay, 7 duels réussis sur 11 tentés. Record côté lyonnais dans ce match. 16 ballons perdus aussi, c'est beaucoup. 5 dribbles réussis sur 7. C'est celui qui a été le plus central dans notre équipe. Et oui, évidemment, c'est notre joueur aussi clé. Même s'il ne fait pas une deuxième mi-temps de très haute volée, Memphis Depay, il marque quand même 2 buts. Le premier, c'est un délice sur la face de Paqueta. C'est extérieur magnifique. Et puis le pénalty, il faut le mettre aussi. C'est un joueur qui est recherché par les autres, c'est un joueur clé de notre équipe. Préservé par Rudy Garcia, il est sorti assez tôt, il était un petit peu
énervé comme d'habitude. Hein. C'est, bon, il veut pas rester à l'OL, mais pourtant il veut marquer autant de buts qu'il peut. Je crois qu'il en est à 18 buts aujourd'hui en Ligue 1, ce qui est énorme. C'est notre meilleur buteur. C'est un joueur indispensable. C'est évidemment l'un des seuls joueurs de cette équipe de classe mondiale, si on peut dire. Il a des éclairs de génie quand il veut bien jouer. Évidemment, quand il a cette motivation, il est quasiment injouable. Memphis Depay, pour moi, c'est un 8 aussi, évidemment. Slimani qui est en pointe, qui a beaucoup dézonné, encore une fois. Deux dégagements pour lui. Deux duels aériens réussis sur 7 seulement. Quand vous êtes avant-centre de cette équipe lyonnaise, quand votre force, c'est la tête aussi, parce que vous êtes très bon de la tête, que vous gagnez deux duels aériens sur les 7. Sur les 7 tentés, ce n'est pas bon. Quand vous perdez 20 ballons, qui est le record côté lyonnais dans ce match, ce n'est pas bon non plus, évidemment. Et vous faites quand même 3 passes clés. C'est quand même, voilà, il aime organiser le jeu, il aime faire jouer ses partenaires, mais il est avant-centre. Il doit absolument, aujourd'hui, réussir à être beaucoup plus décisif en attaque. Il a tiré 0 fois au but. Quand vous êtes avant-centre à l'Olympique Lyonnais, vous tirez 0 fois contre le 19e de Ligue 1, ce n'est pas un bon match. Aujourd'hui, on doit se poser la question si ce n'est pas une erreur de casting. En tout cas, il n'est pas dans le rythme. Il n'avait pas joué depuis des mois. Il pensait qu'en 2 semaines, ça allait être réglé. Bien, écoutez, on voit que c'est compliqué. Il a besoin d'enchaîner les matchs. Il enchaînera peut-être un 3e match contre Monaco en coupe. On verra. Mais en tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'instant. Pour moi, c'est un 4 sur 10. Hein. C'est même pas la moyenne pour Islam Slimani. Je vous parle ni de Mendes, ni de Dichiglio, ni de Diomande, ni d'Awar. Bon, on a vu le retour d'Awar. Pas vu grand-chose à part un coup du sombrero défensif. Sofiane a crié au génie. Pierrot a dit qu'il avait eu un petit peu de chance. Bref, voilà. Bon, pour résumer, voilà, c'est pas un match extraordinaire de la part de l'OL, mais on reste quand même en course pour le titre et c'est peut-être ça aujourd'hui le plus important. On doit se le dire absolument que ce qui est aujourd'hui important, c'est qu'on est encore dans la course au titre. Ça, c'est plutôt positif. Prochain match de l'OL, ça sera contre Monaco en coupe. Évidemment, vous aurez un avant-match, ça va se jouer mercredi, donc je vais charbonner sur les vidéos pour vous en faire. Et puis ce soir, le live consacré à la Super League, vous pourrez le revoir, pour ceux qui ne l'auront pas vu en live, n'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo, notez les joueurs, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi, et puis je vous dis à très bientôt, le printemps commence à revenir petit à petit du côté de Lyon et de partout, donc profitez-en les amis, allez, je vous dis un très bon début de semaine, et puis à bientôt, merci beaucoup de votre fidélité, ciao.